Bon, ben, il est l'heure, 18h02. Bonjour. Bienvenue à cette conférence Making Data Love for Fun and Profit, maybe. Donc, je suis Hawking de la Quadrature du Net. Je suis en charge du développement des outils pour la Quadrature du Net, donc. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on développe des outils et comment est-ce qu'on fait ça. Je vais pas forcément tellement vous parler de tous les outils qu'on utilise. Pour ça, on a un stand en bas, vous pouvez venir nous parler. Donc voilà, un des buts de nos outils, c'est de fabriquer des ulcères à Manuel Valls. Alors maintenant, c'est à Edouard Philippe, je vais vous expliquer comment on fait ça. D'abord, il faut partir du principe que la technique est un concept qui est éminemment politique. Déjà parce qu'il y a cette loi de Conway, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit que globalement, quand on conçoit un système, un outil, on est contraint de concevoir un système en fonction des structures de communication de l'organisation qui le produit. C'est-à-dire qu'en gros, l'outil va ressembler à l'organisation qui développe l'outil. Et ne serait-ce que ça, déjà, c'est une problématique technique politique assez importante. Il y en a d'autres. Par exemple, je suis désolé, les slides, mais on a changé. Par exemple, comment sont réalisés ces outils? Pourquoi est-ce qu'ils sont réalisés? Quel est le coût, par exemple, environnemental de nos outils et de nos infrastructures de communication au quotidien? Qui peut contribuer à utiliser ces outils? Qui les utilise? Comment? Dans quelles utilisations? Avec quelle forme de gouvernance, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement politiques. Et donc dire que, comme on entend assez souvent, que la technique n'est pas politique, me pose vraiment de plus en plus de problèmes. Et je pense, d'ailleurs, reflète le fait que toute une partie des personnes pensent qu'en fait, ceci, la technique et l'élitisme technologique et politique, ils sont parfaitement conscients de ça et ils le veulent. Mais il ne s'affiche toujours pas, le machin. Non, ok. C'est dommage, vous n'allez pas voir les supermen que j'avais prévus et tout. Il y a un problème de balayage. Donc, comme le dit cette slide, et comme l'affiche rappelée de la jolie image qui est dessous, nous, on n'est pas là pour hacker la démocratie. C'est une expression que j'entends beaucoup, qu'il faut hacker la démocratie. Pour moi, ça pose un problème, parce que bah, techniquement, la démocratie, normalement, tout le monde pouvait déjà y participer sans qu'on ait besoin de la hacker. C'est le principe de la démocratie. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas dans une forme démocratique. Et deuxièmement, si on pense qu'il est nécessaire de hacker la démocratie, et donc ça veut donc dire qu'il est important de prendre le contrôle de la démocratie par des outils techniques qui sont développés et maîtrisés par une élite savante qui sont les hackers, donc nous, c'est plus pratique que ce soit nous qui soyons au pouvoir que les autres. Et on part du principe que nous, on sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Ce qui est quand même une problématique assez limite. Ah ben voilà, vous voyez les beaux hackers qui hackent la démocratie. Donc nous, on n'est pas là pour ça. Donc là, je voudrais voir la slide d'après. Le fait qu'on ne soit pas là pour hacker la démocratie, ça ne veut pas dire que le système dans lequel on vit actuellement fonctionne. Par exemple, on a un gros problème sur notre représentativité, sur le pouvoir exécutif qu'on a actuellement. Parce que, par exemple, les dernières élections législatives ont mis en place un système où le parti dominant peut se permettre d'avoir 20% de défection dans ses troupes et de quand même continuer à avoir la majorité absolue et donc d'être capable de tout diriger. On a un exécutif qui a clairement dit dans son programme politique au moment de se faire élire qu'il fallait en finir avec le processus législatif, qu'il fallait utiliser la procédure d'urgence pour pouvoir aller vite, pour être efficace, parce qu'on est dans une start-up et qu'on n'est pas là pour prendre le temps de discuter de problématiques politiques. Il faut agir. On a un historique d'exécution, enfin d'utilisation d'ordonnance, enfin ils veulent utiliser l'ordonnance, ils veulent utiliser la procédure d'urgence. Donc, le fait que je dise qu'on n'est pas à voir avec la démocratie, ça ne veut pas dire que je trouve satisfaisant le système représentatif dans lequel nous vivons actuellement. Mais en fait, il faut bien partir du principe que les chambres parlementaires ou l'exécutif, ce n'est pas la démocratie, c'est juste l'expression d'eux, c'est un produit dérivé d'eux, c'est un à côté. En fait, la vraie démocratie, c'est tout ce qui va être les collectifs, toutes les personnes qui font ce qu'on appelle la politique de rue, les syndicats, les groupes plus ou moins officiels, toutes les structures, par exemple, d'accueil des migrants, comme on a à Calais, des choses comme la Quadrature du Net, obviously, ce genre de choses-là. C'est ça qui fait vraiment, qui permet vraiment de jouer au jeu démocratique, de participer dans des sociétés, de pouvoir avoir un impact sur tout ça. Il est donc important de
quand on se pose la question de développer des outils, de pourquoi est-ce qu'on veut développer ces outils, de se poser la question dans quel contexte on fait ça. Et des choses qu'on entend beaucoup parler et qu'on voit vraiment partout, c'est ce qu'on appelle la civic tech. Alors, moi, j'aime pas du tout ce principe de civic tech, je pense que je suis pas le seul. Le problème de la civic tech, c'est que c'est en gros une imposture qui part du principe que les entreprises capitalistes, qui ont donc pour but de faire de l'argent, sont le bon outil pour défendre les droits individuels et collectifs. Ça entretient l'illusion qu'il est possible qu'il y ait un modèle capitaliste qui soit compatible avec les droits individuels et collectifs et la dignité humaine. Et il faut bien voir que tout ce qui se revendique de la civic tech est généralement basé sur ce qu'on appelle une start-up, qui est donc une entreprise à but capitaliste et productiviste, et que donc tout ce qui n'est pas monétisable, transformable en argent, en fait, ne les intéresse que peu ou pas. Une start-up, ça peut être un truc très bien pour travailler ou pour gagner sa vie, mais ça reste une entreprise qui a donc pour fonction de gagner de l'argent. Et cette fonction de gagner de l'argent et de rentabilité ne peut pas être compatible avec la défense des droits individuels et collectifs, parce que ben, ça, c'est pas rentable en fait de défendre des droits. Enfin, c'est pour ça qu'on a mis des systèmes d'État en place. Qu'on soit pour ou contre les systèmes d'État, c'est une problématique. Et surtout, en fait, la plupart du temps, en civic tech, ben, l'État va faire « Ah, on a mis un beau label !» Ah non, pas dans ce sens-là, c'est dans celui-là que je vois. Voilà. On a mis un beau label, par exemple, greentechverte.fr, voilà. Je ne l'invente pas, ils disent vraiment. On peut faire un beau label, on va donner 250 000 euros de prix à deux startups qui vont faire de la collecte de données en se disant « Regardez, l'État investit dans la civic tech verte, green, c'est bien, alors qu'en fait, on aurait peut-être pu donner cet argent à de la recherche pour faire de l'analyse de données dans un processus de recherche, de processus scientifique avec de la publication, avec de la revue par les pairs, avec du fait que les données publiées par la recherche sont censées bénéficier à tout le monde. Ou alors peut-être que ça a dû être une association en fait, qui n'aurait donc pas pour but de gagner de l'argent et qui aurait donc une autre structure et une autre façon de travailler que le fait d'être une start-up. Et je dis vraiment pas que tout est acheté, il y a de bonnes idées qui sont dans la civic tech, mais qui sont toujours dans une idée de « faut qu'on fasse une start-up, faut qu'on soit rentable, faut qu'on récupère de l'argent, etc. » Enfin, vraiment, repenser à la green tech verte, hein. Je suis un peu déçu, ils ont un beau logo, vous n'allez pas le voir, qu'on ne peut pas trop détourner et se foutre de leur gueule, mais enfin, greentechverte.fr, enfin, je ne l'ai pas inventé, enfin voilà, c'est bon. En fait, donc nous, à la quadrature, on est là pour botter des culs. Globalement, on n'est pas là pour hacker la démocratie, on n'est pas là pour monétiser l'e-participation des e-citoyens digitaux 2.0 à la nouvelle start-up république. On n'est pas là pour collecter des données sur le nombre de trajets en voiture qui sont faits entre la banlieue et la ville pour se dire que peut-être qu'on pourrait améliorer l'infrastructure de transport, ça on le sait qu'il faut l'améliorer. On est là pour faire avancer les mentalités de nos sociétés sur nos sujets, donc les sujets du numérique, sur les sujets où on va avoir une part d'Internet, donc du coup à peu près sur tous les sujets maintenant, ou presque. Et donc pour ça on veut utiliser tous les moyens à notre disposition, parce qu'on a décidé qu'on était comme ça, hein. Voilà, on va pas se restreindre. Donc dans les moyens on a tout ça. Mince, vous ne le voyez pas, j'en ai mort. Donc on a l'influence parlementaire, on a... j'ai dit quoi d'autre ? La publication de données sur les votes des parlementaires, on a des moyens qui leur permettent d'appeler les parlementaires, on a des moyens qui leur permettent de publier des choses, de mobiliser des personnes sur des actions de rue, voilà. Et peut-être qu'un jour, dans 30 ans, je ne sais pas, on aura peut-être plus besoin de la quadrature du net, parce que tout le monde aura enfin compris que c'est cool et que c'est acquis et qu'il n'y a plus trop besoin de se battre pour ça. Mais en attendant, si on attend que les députés se disent que taxer le lien hypertexte n'est pas une bonne idée, alors oui, ils veulent le faire en 2017, ils voulaient le faire en 2007, ils voulaient le faire en 97, donc bon, ça avance pas très très vite, donc en attendant, on a besoin d'avoir des objectifs à court terme, ne serait-ce que pour notre propre santé mentale. Et donc pour ça, on a globalement adopté une philosophie ancestrale de militantisme qui s'appelle celle dite de la carotte et du bâton. Donc pour la carotte, on a de l'analyse juridique. Donc il y aura une conférence là-dessus faite par Agnès et Arthur samedi à 16h, ici. L'analyse juridique, c'est en gros analyser les textes de loi, proposer des amendements, proposer des recommandations, proposer des avancées politiques, ce qu'on appelle les propositions positives, et les mettre à disposition de tous les parlementaires ou de toutes les personnes qui les veulent, et en leur disant « Hey, ok, c'est cool, il y a des choses à faire, vous pouvez faire des choses bien, vous pouvez améliorer les choses ». Et en partant du principe que si ce sont des parlementaires élus et qui font des choses bien, logiquement, ils vont peut-être gagner les prochaines élections. On peut vachement jouer là-dessus.
Et c'est cool en fait de leur dire, ok, c'est nos idées, mais allez-y, reprenez, appropriez-les-vous, et après nous on peut aller au niveau d'après. Et en plus, ils se sentent bien, d'un coup ils font, hey, on a fait un truc que les gens ils sont d'accord avec nous, pour une fois ils sont pas en train de nous gueuler dessus. C'est cool. Donc ça, c'est notre carotte. Pour le bâton, alors nous, on aime bien avoir, comme on dit en admissis, ceinture et bretelles. Donc on a deux techniques de bâton. On en a une première qui est de piquer les jouets des autres, qui a amené à la création d'un collectif avec d'autres associations, qui sont les Exégètes Amateurs, qui ont donc une conférence samedi à 17h, et qui ont pour but d'utiliser des outils que les parlementaires n'ont jamais pensé qu'on utiliserait, qui sont les recours au Conseil constitutionnel, à la justice administrative, donc au Conseil d'État, et d'aller jusqu'à la Cour de justice européenne pour faire invalider les lois stupides qui font voter. Exégètes Amateurs, c'est vraiment l'expression consacrée, utilisée par Jean-Jacques Urvoas à l'Assemblée, pour parler de ce travail de qualité qui a été fait par ces groupes de volontaires. Et l'autre bâton, un peu plus vivant, on va dire, est celle du pan dans les dents. Généralement, j'ai un sac de retard. Le pan dans les dents, en gros, c'est de dire ben, vous êtes des parlementaires, vous faites n'importe quoi, nous on n'est pas d'accord avec ça, donc à défaut du fait que vous changiez d'avis, on va vous rendre misérable, on va vous harceler, on va vous appeler au téléphone, on va vous discuter avec vous sur tous les points techniques jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'arguments logiques et techniques à nous opposer, parce qu'en fait vous n'en avez pas, vous n'avez que des arguments de langage, et que vous retrouveriez à balbutier en live sur un plateau télé. On va se rappeler ce que vous avez voté il y a 10 ou 15 ans et vous le ressortir. On va se rappeler que vous avez signé tel ou tel tribune homophobe dans tel ou tel journal à tel moment, et on va vous le ressortir. On va faire en sorte que ces mecs et ces meufs fassent des cauchemars à cause de nous. Parce qu'à partir du moment où ils sont terrorisés par nous, et qu'ils ont peur de nous, et qu'ils ont peur de la rue, et qu'ils ont peur de ce genre de choses-là, on va pouvoir commencer à faire avancer les choses. Et c'est vraiment là-dedans qu'on utilise le plus la technique. Et c'est assez efficace, en fait, parce qu'ils n'ont plus vraiment peur du Black Bloc. Ils n'ont plus vraiment peur des manifestations de rue qui mettent 350 000 personnes. Je veux dire, regardez la loi travail. Elle n'est pas du tout passée, elle a été annulée, ils n'ont pas du tout pris le 49-3, et ils ont fait marche arrière, tellement ils ont eu peur. C'est pour ça qu'il faut qu'on aide les terrorisés beaucoup plus. Et que la manifestation, c'est efficace, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Nous, on a des résultats qui sont dans une minute des discussions, d'ailleurs, dans le journal officiel, etc. Donc, par exemple, en 2009, Christine Albanel, lors d'une conférence de presse, a dit que non, mais les gens qui gueulent contre Adopi, c'est juste 5 gus dans un garage. Donc, bonjour, nous sommes la Quadrature du Net, on est donc 5 gus dans un garage. Je vais en parler tout à l'heure, il y a donc Jean-Jacques Urvoas, en avril 2015, qui nous a traité d'exégètes amateurs parce qu'on osait critiquer la légalité et la constitutionnalité de son texte de loi. Donc, bah, du coup, on a créé les exégètes amateurs. Et notre ami Manuel Valls, qui a développé des succès, qui ne sait plus trop où s'asseoir à l'Assemblée, dont l'élection est contestée, a quand même dit que appeler des députés, donc c'était 1200 appels de députés en une semaine, ça fait à peine 2 appels par député dans la semaine, c'est pas énorme non plus, mais que c'était une pression de la rue qui était inacceptable sur les parlementaires et qu'il fallait laisser les parlementaires faire leur travail et qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Donc ça marche. Enfin, je veux dire, nos outils fonctionnent, on est efficaces. On arrive à faire en sorte qu'ils savent qu'on existe, qu'on leur fasse peur, et qu'ils n'ont rien d'autre que ça à nous opposer. Ils ont rien d'autre que l'insulte et l'attaque ad hominem à nous opposer. Ils n'ont pas d'argument de fond, ils n'ont pas d'argument de technique, ils n'ont rien. Donc, comment est-ce qu'on arrive là? Alors d'abord, on se rate. Il faut l'admettre, ça va arriver, ça se produit plusieurs fois. On a lancé plein d'idées qui ont commencé comme des outils qui avaient l'air trop cool et super bien, et ça s'est arrêté là. L'autre point important, c'est de réduire les obstacles pour que les personnes puissent venir entrer et contribuer dans le code. Notamment sur toute une partie de la gestion de tâches ingrates, parce que personne n'a envie d'écrire des spécifications fonctionnelles, et c'est super important. Donc on essaie de réduire un peu le coût d'accès. Ensuite, on se parle. On essaie vraiment de se parler, donc entre d'un côté les personnes qui vont utiliser les outils, donc ce que j'appellerai plus tard les utilisateurs et les utilisatrices, les personnes qui vont concevoir ces interfaces-là, et les développeurs, et moi, parce que je suis là en train de faire parler tout le monde. Donc en utilisant ces trois principes-là, on essaie vraiment de développer les outils pour la quadrature. Je crois que c'est à chaque fois que j'ai une image, ça ne marche pas bien. Donc du coup,
Pour essayer de regrouper un peu toutes ces personnes, on va mettre en place des outils. Parce que la principale difficulté en fait, que j'ai en tant que responsable des outils de la couverture, c'est de maintenir une équipe de développeurs et de contributeurs motivés sur du long terme. Avoir des gens qui viennent donner un coup de main sur un week-end, ça va, c'est facile. Avoir des gens qui peuvent s'investir sur 6 mois pendant une heure par semaine, c'est vachement plus compliqué. Et d'ailleurs, je préfère avoir des gens qui vont me donner une heure de leur temps toutes les semaines ou toutes les deux semaines que des gens qui vont me faire un sprint de 30 heures sur le week-end, qui vont finir complètement épuisés puis qui ne vont plus jamais contribuer. Donc, on met en place des environnements de travail et on essaie d'utiliser des outils que les gens veulent utiliser ou que les gens utilisent. C'est parce que, typiquement, nous, on utilise beaucoup IRC à la quadrature, mais ce n'est pas forcément le cas, par exemple, de toutes les personnes qui font du design, de tous les contributeurs. Donc, on essaie d'avoir des outils qu'ils ont envie d'utiliser, qu'ils utilisent. Donc, on a mis un Git, c'est donc git.laquadrature.net, qui est un beau GitLab tout beau qui fonctionne. Donc, il y a un Mattermost qui est associé aussi, qui nous sert pour communiquer pour les projets. Donc, c'est un genre de Slack, mais en libre. Et non seulement libre, mais aussi auto-hébergeable, ce qui est super important pour nous. Il est hors de question qu'on dépende d'entreprises pour pouvoir développer nos systèmes. Combien ces même si ces entreprises sont super cool et super gentilles, dans nos principes politiques, c'est important qu'on puisse être autonome de ce point de vue-là, donc on héberge nous-mêmes nos outils. Donc oui, ben, du coup, on n'a pas Discord, parce que pour héberger Discord, il faut dépendre d'une entreprise. Ensuite, un autre truc super important, on documente. Et on documente tout, on ne documente pas que le code. C'est déjà un bon point de départ de documenter le code. On documente aussi le projet, comment est-ce que les gens font pour contribuer, où est-ce qu'on en est, quels sont les sujets en place. Et cette documentation, elle est critique pour deux raisons. D'abord, ça permet aux gens qui ne connaissent pas le projet de pouvoir rentrer dans le projet, savoir ce qu'il y a à faire et pouvoir aider tout de suite, d'une part. Ça permet à moi de savoir ce qui se passe dans le projet, d'autre part, ce qui est pas mal. Et surtout, ça part du principe que le projet va probablement tomber en sommeil pendant 4 à 5 ans, ce qui arrive parce qu'on a des développeurs qui ont trouvé un job et qui du coup n'ont plus autant de temps à être consacrés ou qui ont envie de faire autre chose. Des choses leur arrivent dans leur vie, des petites choses bien, des choses moins bien, mais ça arrive. Et donc c'est important que le projet soit entièrement documenté pour pouvoir faciliter la reprise du travail. Parce que si pour commencer à développer sur un projet, il faut commencer par 2 jours de configuration d'un environnement de travail et de bricole à base de .make, .slash configure, make install et autres, on va perdre les gens en fait, parce que personne ne voudra juste venir faire « Ah, mais j'ai juste un patch rapide à soumettre et je voudrais le tester avant et il faut que je fasse 6 heures de taf pour développer mon truc, ça ne marche pas. » Donc il faut qu'on documente. Et ensuite, il faut vraiment réduire le temps entre tout ce qui est écriture de code et exploitation et mise en production. Donc voilà, moi je suis de cette école-là, je peux mettre en prod un vendredi 19h, j'ai aucun problème avec ça. On utilise ce qu'on appelle l'intégration continue et les tests. Et en fait, c'est super important parce que quelqu'un qui vient, qui voit un projet qui intéresse, qui met un patch et qui soumet le patch et qui, une heure et demie après, voit son patch et sa fonctionnalité mise en ligne, fonctionnelle et utilisable, bah, c'est super gratifiant. Plutôt que j'ai soumis un patch, alors ça passe par un comité de revue de patch qui va décider si ce patch est prioritaire ou pas, qui se réunit une fois tous les 4 mois. Avec un vote démocratique à la majorité des 2/3, avec un quorum de 53,4 personnes, enfin bref. Tu soumets, ça passe les tests, ça va en prod. Ça veut dire aussi, bah, du coup on fait des tests, et ça veut dire aussi que bah, quand on va en prod directement, on sait ce qu'on met en prod, donc ça décide qu'on lise tout le code. Donc je lis tout le code, que ce soit du Python, du JavaScript, du CSS, du C, du PHP, enfin bref, je lis le code et j'apprends les langages s'il faut, c'est pas vraiment une difficulté, c'est juste du temps. Et en plus, ça permet de respecter le travail qui est fait et l'implication que ces personnes ont fait. Et autant c'est très facile de dire merci à quelqu'un qui a passé une semaine et demie, qui a passé 70 heures sur la semaine à venir contribuer à du code, autant on a tendance à oublier les gens qui ont juste testé le code, pu documenter un ticket, rajouter du code, et soumis un patch de 2 lignes qui permet de résoudre un ticket qui est peut-être mineur, mais c'est déjà quelque chose de fait. Et c'est super important de respecter ce travail des contributeurs. Après tout, ils font ça sur leur temps libre, ils font ça parce qu'ils ont envie de bosser avec nous. Alors effectivement, il y a une super motivation qu'on bosse sur la quadrature du net, mais c'est pas pour ça qu'on doit mal les traiter, en fait. Et donc, du coup, un autre moyen de le faire, c'est de responsabiliser les personnes. Et comment on responsabilise les personnes? Et bien en fait, on donne les droits d'admin sur le repo Git du projet, et j'ai aucun problème avec le fait que ça ne soit pas moi qui décide de ce qui est mis en prod ou pas. Déjà parce que j'ai pas le temps de gérer tous les outils comme ça, parce que je suis tout seul. Et qu'en plus, la personne qui bosse sur le code, ben, du coup, elle n'a pas besoin que je sois connecté, et que si jamais elle met un patch à 21h le soir, moi je ne suis pas là, ben, elle peut le mettre directement en production en le lisant, en le mettant en prod. Ce qui peut arriver de pire, c'est que ce soit planté jusqu'au matin. Bon,
c'est pas très très grave, en vrai, on s'en fout. Je remettrai en place et voilà, on bricole. Donc il faut apprendre à faire comme dans Frozen, c'est super important. Et en plus, en tant que responsable, en tant que chargé de la coordination de tous ces outils-là, moi je me dis vachement mieux que j'ai pas besoin de m'occuper de toutes ces décisions techniques, de savoir qu'est-ce qu'il faut être en prod, qu'est-ce qu'il faut être en prod, qu'est-ce qu'on merge pas, quels sont les protocoles de merge. Les projets sont autonomes là-dessous, moi ça me va très bien, j'ai juste besoin de voir que ça fonctionne et que ça avance. Et enfin, ça veut dire que oui, du coup, on va abandonner le contrôle sur le projet pendant au moins un temps. Mais c'est pas grave, on fout d'avoir le contrôle sur un projet, du moment que le projet vit, que les gens sont contents, moi ça me va. Si jamais j'ai vraiment besoin d'avoir une fonctionnalité supplémentaire, ben, je leur dis, et puis éventuellement je le fais. Voilà. Et en fait, surtout, un point très important, c'est qu'on essaie de discuter. Entre nous, pas forcément de discuter dans les discussions techniques, mais on essaie de voir comment vont les gens. Quand tout d'un coup on s'aperçoit qu'il n'y a plus personne qui commit sur un projet depuis une semaine, de savoir un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ça peut être parce que la personne a eu un accident et qu'elle est hospitalisée, c'est ok, ça arrive. Ça peut être parce que la personne n'a plus d'intérêt dans le projet, ou qu'elle a trouvé un CDI ou un CDD pour bosser ailleurs, ou qu'elle a... Enfin, ça peut être plein de raisons en fait. Les contributeurs sont a priori des humains comme les autres, avec leur complexité, avec leur vie. Et c'est super important qu'ils sachent qu'ils peuvent s'impliquer et que c'est pas grave s'ils arrêtent en cours de route et que personne ne leur en voudra. Donc sachez-le, hein, si vous voulez vous impliquer sur la quadrature, et que vous n'avez pas le temps de faire autant que vous auriez voulu faire, c'est pas grave, moi je vous en veux pas. Vous avez essayé, vous avez fait des trucs, et c'est cool. Et il faut surtout, à mon sens, lutter un peu contre cette culture du militantisme 24/7, où on est censé faire 8 heures de travail par jour et 12 heures de militantisme la nuit. Parce que ça marche pas. Vous pouvez me croire d'expérience. Ben, voilà, ne faites... Et si vous pouvez éviter de faire l'expérience par vous-même, c'est bien. Donc j'ai besoin que les gens, en fait, ils soient bien pour contribuer, soient bien pour développer, qu'ils soient accueillis, qu'ils soient ou quels qu'elles soient. Et qu'il n'y ait pas de problème là-dessus, qu'ils puissent discuter de problèmes personnels ou pas personnels, ou techniques ou autres, ou pas, s'ils n'ont pas envie, au sein de nos communautés. Donc en fait, maintenant on a des communautés de développeurs, ils nous ont écrit un super outil, ça marche bien, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait après ? Et bien en fait, écrire un outil et maintenir le code, il y a beaucoup, mais ça ne suffit pas. Parce que si l'outil n'est pas utilisé, ben c'est pas un outil, hein, l'outil est fin. Voilà, s'il n'y a pas d'usage d'un outil, ça ne sert à rien. C'est juste une énorme perte de temps et une énorme frustration devant la perte d'énergie faite là-dessus. Donc il faut communiquer sur l'outil et ses fonctionnalités. Donc, notamment auprès des utilisateurs. C'est-à-dire que moi, une de mes grosses missions au sein de la Quadrature.net, c'est de réussir à discuter avec l'équipe opérationnelle des outils qu'on a en place pour qu'ils puissent les utiliser, de trouver le temps pour que je les forme, que je leur montre comment ça marche, etc. Ça veut dire aussi qu'il faut être capable de distribuer son code, c'est-à-dire qu'il faut que d'autres personnes que la collaboration puissent utiliser le code. Typiquement, il y a d'autres associations qui sont intéressées par le Biphone, par exemple, ou par les outils de revue presse, ou par le Mémopole, et il faut que ce soit simple pour eux d'utiliser sans qu'ils aient besoin de passer 10 heures par semaine à configurer le machin et à le mettre en place. Ça veut dire qu'il faut réfléchir au niveau de la distribution du soft. Et que donc, si votre projet nécessite un Node.js custom avec 4 librairies perso développées à l'arrache dans un coin de table qui ne sont pas maintenables ou pas utilisables, ça va être compliqué d'utiliser ce projet-là. À l'inverse, il faut quand même, idéalement, qu'on soit en lien à peu près avec l'upstream au niveau des frameworks utilisés. Parce que... autant il est simple de passer de Django 1.8 à Django 11 ou de Django 10 à Django 11, autant passer de Django 1.4 à Django 11, c'est une autre paire de manches. Et donc ça fait partie de ces tâches de maintien de code qui sont importantes à faire, c'est-à-dire, ben, attends, il y a un nouveau framework qui est sorti, qu'est-ce que ça apporte comme fonctionnalité? Comment est-ce qu'on l'intègre? Comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Plutôt que de le garder dans des strates et que moi, 2 ans après, quand j'ai besoin de remettre le projet à jour, je passe 2 semaines à relire tout le code, changer toutes les fonctionnalités, etc. Et enfin, il est important, quand on veut que notre code soit utilisé par d'autres personnes, de leur fournir de l'assistance, parce que les collectifs n'ont pas forcément autant de compétences ou de temps que nous à investir dans la maintenance de leurs outils. Ils sont très contents d'avoir ces outils-là. Il n'y a qu'à demander à Framasoft, hein, de voir le nombre d'organisations qui utilisent les Framapads. Ils sont très contents d'avoir ça, mais qui n'ont pas du tout le temps ou les compétences pour pouvoir l'installer chez eux. Parce que ça demande un serveur, donc ça demande de payer quelqu'un pour le gérer, ça demande ce genre de choses-là. Et donc, si jamais vous voulez que vos outils soient utilisés par d'autres personnes, il est absolument important d'avoir un processus quelconque pour que les personnes qui utilisent votre outil puissent communiquer avec vous.
De même que les utilisateurs puissent vous faire un feedback et que les personnes qui discutent sur le développement des interfaces puissent communiquer avec les développeurs en disant « Tiens, on pourrait peut-être améliorer ça, et peut-être ça qui est plus simple à faire » ou que les développeurs disent « Alors là, c'est pas forcément le truc le plus simple du monde à faire, donc si on peut trouver une autre solution, etc. » que les gens se parlent et se discutent. Il faut garder ces canaux de communication ouverts au plus grand nombre possible. Quitte à ce que moi, plus tard, j'arrive en disant « Non mais écoutez, là, ça fait 3 semaines que vous discutez sur est-ce qu'il faut faire A ou B, ce soir on tranche, on en prend un pile ou face s'il faut, mais il faut qu'on avance. » Ça, c'est mon rôle. Donc, où est-ce qu'on en est? Alors, à la scène de la coordination, on a posté, courant l'année dernière, je crois, un communiqué de presse qui disait que, ben, en fait, la façon dont on allait bosser avant ne fonctionnait pas, donc on cherchait à se réorganiser. Donc, du coup, cette organisation de travail passe par le fait que ben, c'est pas forcément simple non plus pour la gestion des outils, puisque les postes changent et donc, du coup, ça fait beaucoup de taf en interne à gérer. La principale difficulté pour moi au niveau de personnel, c'est de récupérer du temps des équipes opérationnelles qui sont tous, on est tous très chargés, donc c'est complexe parfois pour un outil d'être utilisé de manière efficace au sein de la quadrature. Et surtout, il y a aussi un besoin de ben, nous, on aimerait bien avoir cet outil maintenant et non pas demain. Parce que ben, on en a besoin maintenant, là, on n'a pas de temps à y passer plus tard. Donc il y a là une question de priorisation à gérer qui est super importante, qui est vraiment pas simple, parce que dire ben, que non, là, je ne peux pas. J'ai pas le temps, humainement parlant, de faire ça et ça en même temps, donc j'en prends 2 sur les 3. Et que ben, tant pis, cet outil ne sera pas en place tout de suite, et que ben, non, on ne fera pas cette campagne-là de cette façon-là, parce qu'on n'a pas le temps. C'est parfois assez compliqué. Donc mon rôle à moi, ça a été de mettre en place aussi des espaces de discussion qu'on a. Donc on a Mattermost, qui est donc MM pour la quadrature.net, le channel QDN Travail sur Freenode, un espace de contribution avec le Git pour la quadrature.net. Donc si jamais vous avez envie de donner un coup de main, passez par là. On a une liste de discussions sur tout ce qui va être les discussions plus générales au niveau de la quadrature. On envoie les newsletters, les que se passe-t-il au garage et ce genre de choses-là. Donc voilà, on a tout ça en place. Un des gros travaux que j'ai fait depuis que je suis arrivé, ça va faire bientôt 2 ans, ça a été de dépoussiérer les outils. Principalement, Pifone et Memopol. Alors Memopol, c'est un projet qui est compliqué, qui a 10 ans d'expérience de vie, qui a changé 3 fois de ce à quoi ça sert, etc. Ça a été de relancer un peu le sujet, essayer de le refaire travailler au sein de la quadrature, avoir des développeurs. Donc pendant un an, j'ai eu 2-3 personnes très motivées, qui ont beaucoup contribué sur ce code-là et qui maintenant ont des vies à gérer, donc qui ont moins de temps à y consacrer. Mais surtout, on va avoir besoin sur Memopol de coups de main avec les accros du DirectN, qui sont, je suis sûr, nombreux ici, pour renseigner les prises de position des parlementaires qui, lors des débats sur l'état d'urgence, qui, je n'en doute pas, vont être extrêmement passionnants, ou alors les mêmes qu'il y a un an. Voilà. On a des outils qui ont été entièrement réécrits ou qui sont en cours de réécriture, par exemple la revue de presse qui avait besoin d'être réécrite parce qu'elle dépend de notre site web qui est un Drupal 6 et que quand on voudrait changer de site web pour le remettre à jour sur un autre Drupal, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on change et le site et la revue de presse en même temps, donc mener de front 2 projets, c'est super compliqué, donc on a isolé la revue de presse pour en faire quelque chose d'utilisable par d'autres organisations qui n'ont pas forcément Drupal et pour en faire un vrai outil de gestion de revue de presse qui publie des flux sur lesquels on est toujours par IRC ou autre. Elle est actuellement en test parce qu'il nous reste encore pas mal de choses à terminer, mais ça avance vachement là-dessus. Et on a des outils qui ont été réutilisés par d'autres organisations. Par exemple, SaveTheMeme.net, qui est une campagne européenne sur je ne sais plus quelle directive européenne, qui voulait limiter l'upload et notamment le copyright. Voilà, sur la directive copyright. Donc Chris vous parlera aujourd'hui, demain, après-demain. Non, pas, d'accord. c'est sur notre site, sur la quadrature du net. Donc ils ont fait SaveTheMeme.net, qui est une campagne basée sur Pifone, donc ils ont réussi à installer leur Pifone et à se connecter sur notre infrastructure avec notre gestion de campagne, et ça c'est toujours pareil. C'est super important, c'est-à-dire que, hey, on a réussi à faire quelque chose, on arrive à avoir des outils, qu'il n'y a pas que la quadrature qui est une espèce de bande de geeks qui arrive à utiliser ça, il y a d'autres organisations dont c'est pas forcément le métier ou qu'on n'a pas forcément le temps qui peuvent réutiliser ces outils. On a toujours besoin de monde. Non mais il avance toujours pas, c'est nul. Bon. La communauté de développeurs est un tout petit peu moribonde, je ne vous cacherai pas, on a vraiment plus grand monde qui a du temps en ce moment à y consacrer. Ce qui fait que du coup les quelques contributeurs qui sont là ont beaucoup de poids sur leurs épaules parce qu'ils portent un peu les projets tout seuls, même si GZ, etc. c'est pas forcément simple. Donc c'est un peu stressant, donc ce serait cool si jamais vous avez un peu de temps. Et comme je disais, 1 heure par semaine ça peut suffire. Ou 1 heure toutes les 2 semaines, enfin même venir nous aider à écrire de la doc ou de documenter des tickets ou ce genre de choses là.
ça peut nous suffire, mais on a toujours besoin de monde. On a essayé plusieurs choses. On a fait des petits week-ends de code sur Memopol, par exemple, qui ont marché dans le sens qu'on a réussi à avancer vachement sur des fonctionnalités du site, mais qui n'ont pas permis de recruter des contributeurs sur le projet. On a organisé le QCC 2017. C'est là-dessus qu'on a refait dans toute la revue de presse tout un gros travail sur la réflexion sur le design, sur l'intégration du truc. On a eu beaucoup de travail qui a été fait. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce week-end-là. Donc, voilà. Mais c'est un effet de raisin dans le sens où on n'a pas vraiment gardé de contributeurs suite à ce week-end de code. Du coup, je me pose la question de est-ce que c'est pertinent de faire des week-ends où on s'enferme pendant 48 heures pour bosser sur du code si jamais je veux développer une communauté. J'en ai déduit que la réponse est non. C'est pas la bonne façon de faire. Donc on va organiser avec notamment Framasoft et d'autres associations le Fabulous Coder Camp. Faut que je prenne le nom de domaine, fcc.fr, définitivement. Ce sera le 25 et 26 novembre 2007, ce sera à Lyon. Et on sera plus sur un format de rencontre et de discussion où on va mettre ensemble des développeurs, des designers, des utilisateurs, des collectifs pour qu'on discute un peu de « Ok, quels sont nos besoins ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'on a envie ? Et comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble et manier tout ça ?» Donc, ben, inscrivez-vous sur la mailing list discussion de la collaborateur du net, ou sur notre compte Twitter, ou sur notre IRC, et tenez-vous au courant. Donc, ah ben, il y en a qui marche. Je tiens juste à signaler aussi qu'on a toujours une proposition de stage technique à la collaborateur qui est ouverte. Donc si vous avez envie de donner un coup de main de manière un peu plus intense et de vous faire la main sur du code, il y a de quoi faire sur des projets de 6 mois. On est ouvert pour accueillir des stagiaires chez nous, enfin un stagiaire ou une stagiaire chez nous. D'ailleurs plutôt développement, soit back-end, soit front-end, on trouvera après de quoi faire. Mais voilà, ne posez pas trop la question de est-ce que vous avez des compétences pour oui, vous les avez, et on aura de quoi vous occuper en plus. Et promis, c'est pas juste pour faire du café, c'est pas du tout pour faire du café. C'est vraiment pour que vous appreniez à bosser sur des projets, que vous puissiez vous faire la main sur du Python, ou sur du Django, ou sur des frameworks PHP, ou sur ce genre de choses-là. Mais on a aussi besoin pas que de développeurs et de stagiaires et tout ce genre de choses-là, on a aussi besoin de personnes qui sont là pour utiliser nos outils. Je parlais tout à l'heure de Memopol. Si vous aimez suivre les débats parlementaires, je peux vous montrer en bas sur notre centre tout à l'heure comment on fait pour soumettre des points soulevés par les parlementaires, des discussions, ce qu'on appelle des positions publiques prises par des parlementaires. Parce qu'en plus là, on en a plein des tout nouveaux, tout beaux, qui ont donc un score de 0. Et c'est super important de savoir qui est pote avec nous ou qui n'est pas pote avec nous. On peut partir du principe que les En Marche ne sont pas vraiment potes avec nous, mais on peut avoir des surprises. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais. Ah si, on a une campagne Piphone en cours, mais ça c'est Chris qui vous en parlera à 15h30 dimanche, qui est sur son paquet télécom. Voilà. Et ça, si vous voulez appeler les représentants, les parlementaires européens, vous allez sur piphone.qln.fr, vous pouvez les appeler, c'est gratuit, c'est nous qui payons l'appel. Et en plus, on vous fournit un petit argumentaire pour que vous ne soyez pas perdus, pour pas que vous soyez trop intimidés. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en guise de conclusion, et puis après vous allez pouvoir me taper avec des questions ou des remarques. Il est nécessaire de faire un gros travail d'analyse, aussi bien en amont, se poser la question de quels sont les besoins des outils, pourquoi est-ce qu'on développe ces outils, quelles sont les fonctionnalités qu'on veut avoir, donc discuter avec les utilisateurs potentiels de l'outil et que les collectifs qui vont utiliser ces outils-là. Il faut écrire des spécifications fonctionnelles, il faut dire à quoi ça sert. Et ça, ça se fait avec des designers, avec les développeurs. Il faut impliquer les développeurs dans ces réflexions-là le plus tôt possible. Parce que plus vite on met les développeurs et les utilisateurs face à face, mieux ça se passe dans mon expérience. Alors oui, par contre, ça nécessite du temps, ça nécessite d'organiser des réunions de travail le soir après 19h. On ne peut pas tout faire. Un point super important, c'est qu'il faut en finir avec Agile. La méthode Agile, pour moi, est une méthode qui est extrêmement destructrice de compétences et de connaissances, qui ne peut fonctionner que dans un but de rentabilisation extrême, puisque le but, ce n'est pas d'impliquer les développeurs dans la vie d'un projet, c'est de faire en sorte que ces développeurs closent des tickets, donc prennent un ticket, le résolvent et le publient, et sans leur demander leur avis sur la vie du projet, sans les impliquer dans les fonctionnalités à faire, à développer, sans les impliquer dans l'usage de la chose. Et surtout, ça a été développé pour permettre à des startups, donc qui sont des entreprises capitalistes, de développer des choses. Et rappelez-vous de la loi de Conway. A priori, si on utilise les méthodes des systèmes capitalistes pour développer des outils, on va développer des outils qui vont avoir tendance à reproduire ou amplifier ces méthodes-là.
Et je pense que c'est vraiment une question super importante qu'il faut se poser, notamment dans un collectif comme la Quadrature du Net, sur OK, qu'est-ce qu'on veut faire dans le monde, et surtout comment est-ce qu'on le fait. Et la méthode du comment est vraiment une méthode qui, à mon avis, n'est pas suffisamment abordée dans notre monde fantastique du logiciel libre. Enfin, il faut vraiment penser à essayer de s'amuser un petit peu. On ne le voit pas, c'est le même petit captcha. Et vraiment pas hésiter à des fois passer 3 heures sur un projet complètement, qui vous paraîtra peut-être complètement débile, mais dont on se rappellera pendant longtemps. Donc là, c'est l'IMSI CAPTCHA. Si vous allez sur laquadrature.net/IMSI CAPTCHA, vous verrez. C'était une parodie du Google CAPTCHA où on voit, faut cliquer sur les menaces à la liberté individuelle, on voit une photo avec Manuel Valls, Jean-Jacques Arvoas et Cazeneuve. Voilà. Et qui pendant un temps était ce que vous trouviez quand vous alliez sur la page d'accueil de la Quadrature. Ça ne sert pas à grand-chose, ça sert juste à... toutes les personnes qui vont visiter le site vont savoir qu'il y a des menaces sur nos libertés qui pèsent, on peut les rediriger avec plein de liens. Ça sert aussi à poser le niveau du débat, hein, qui est à peu près à ce niveau-là, quand on discute avec ces personnes-là. Donc voilà, c'est super important de penser à essayer de s'éclater en le faisant, et que c'est pas grave si on n'a pas un projet qui est ultra critique, qui va révolutionner le monde. Des petits projets comme ça, c'est aussi très important, et on est preneur de ce genre de choses-là. Donc, petite auto-promo pour la Quadrature du Net. Donc, on fait plein de conférences ce week-end, donc celle-là, mais bon, je ne vais pas la mettre sur le site parce qu'elle vient de se finir. Alors, on a e-privacy, le règlement sur les données personnelles, l'Union européenne qui est faite par Anès et Arthur samedi à 17h. On a une présentation des EGZ amateurs à 18h juste après, donc il y a un petit marathon de 2 ans de la Quadrature et al samedi. Et il y a le paquet télécom avec Chris Agnès dimanche à 15h30. Et on a un stand dans l'espace associatif où on est là pour répondre à vos questions et dealer des stickers parce que c'est notre métier. Et enfin, je voulais remercier tous les contributeurs et les contributrices qui ont, pendant ces 2 ans, qui ont réussi à travailler avec nous, à soulever plus code. Merci à vous. Ça n'était pas forcément beaucoup pour vous, mais pour nous, c'est super important. Merci. Merci à vous de m'avoir suivi, supporté. Petit disclaimer, voilà, si vous avez des questions. Alors, comment est-ce qu'on gère les dépendances obsolètes ou cassées? C'est toujours une grande question sur les projets comme ça. Mais on essaie en fait de se garder sur l'upstream, et donc quand on met à jour l'environnement Python avec le Django et que les dépendances ne marchent pas, dans les règles à ce moment-là en fait. Et c'est pour ça que c'est important pour nous qu'on utilise des environnements assez proches de l'upstream. On développe généralement dans un environnement qui est une Debian stable, donc c'est bien en ce moment parce que là ils viennent de la sortir, donc c'est cool, etc. Dans 2 ans on verra comment on fait. Mais on travaille beaucoup avec des environnements virtuels, on n'a pas forcément de conteneurs façon Docker ou autre, parce que je ne fais pas forcément fan en production, et puis on a forcément la possibilité technique de le faire. Mais donc voilà, pour la gestion des dépendances, on gère comme au fur et à mesure qu'on tombe sur le problème. Je crois qu'il y avait une question par là. Oui, j'ai remarqué, cette petite remarque, au niveau du système de paiement, j'ai remarqué que c'était pas fluide. Oui, le système de paiement est complètement cassé, ça a été quelque chose de très compliqué au niveau de la gestion de projet en interne. Moi, j'ai assez mal vécu personnellement comment ça s'est fait sur cette partie-là du truc. Donc, je suis en train de réécrire intégralement dans un autre framework, dans un autre langage. Je travaille dessus là en ce moment pour qu'il sorte en novembre et que tout ça soit réglé. Je pense que c'est important. Oui, c'est super important. Je ne sais pas, vous posez du PayPal ou. Non, il n'y aura pas PayPal. Ah non, pas PayPal. En tout cas, je ne sais pas, vous posez le maximum de. Mais on a paiement par carte bancaire, par paiement bancaire, par Bitcoin, par Zcash, par ce que vous voulez. Ça ne fonctionne pas. Si, tu fais un virement, tu ne fonctionnait pas. Ouais, non, mais enfin voilà. Il y a eu des problèmes, ils sont en cours de résolution, on travaille dessus. Merci. Il n'y a personne qui a des questions. Donc ça veut dire que vous êtes tous volontaires pour contribuer et venir travailler avec moi à partir de demain, là, ou même ce soir, là. Si jamais vous cherchez pour l'entrée, c'est vite pour la Quadrature.net. Hein, vous en avez beaucoup plus loin. On travaille en tout. Oui. Le micro arrive, le micro se téléporte. C'est en bas qu'on va parler de
Alors, comment est-ce qu'on va apprendre les modalités pour développer? Ben, en fait, en le faisant. C'est-à-dire, ben, j'essaie de garder... Une des grosses difficultés pour moi, c'est d'essayer de maintenir les équipes de contributeurs ouvertes, notamment pour permettre les contributions des gens qui n'ont pas forcément un super haut niveau de code, ou qui veulent apprendre un langage, ou qui veulent se faire la main sur un langage. Et je vais formuler une action de Gérald. Gérald, formuler une action. Oui, je t'écoute. Je demandais quand est-ce que l'on voit les modalités pour répartir les tâches à propos de la programmation. Ça dépend des projets, en fait. Tu vas sur Git, on a tous les tickets ouverts, tous nos issues, tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas vraiment de tâches à répartir ou à s'approprier. Enfin, voilà, tu viens, tu poses des questions, voilà. Très bien, merci. C'est tout ? Ok. Ouais, c'est là, j'ai une cinquantaine de personnes qui sont donc volontaires pour contribuer. Parfait, merci. Et si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez s'arrêter là, ça fait une même chose. Si, il y a une question devant là. Il reste 20 minutes, vous pouvez montrer plus en détail le projet. Il y a de l'accès à internet là-dessus. Alors. Donc elle traîne par ici. Point la quad. Ah, ça. Donc ça c'est notre nouvelle revue de presse qui a été synchronisée au début du mois je pense. Ça s'affiche pas bien sur vidéo proche. Hein. Donc vous voyez là on est sur la page d'accueil qui va nous servir en fait pour accueillir la page d'accueil générale de la revue de presse. De ça on va générer des flux qui nous permettront l'intégration par exemple dans des sites, soit via des plugins, que ce soit avec le plugin WordPress ou le plugin Drupal. Donc on a les articles qui sont là. On peut aller directement sur le site qui contient l'article en lui-même. On peut afficher tous les détails qui ont été, tous les passages de texte qui ont été sélectionnés par les. C'est des R-Padawan, parce qu'ils contiennent des R-Padawan, des Jedi et des droïdes. Donc, je ne cherchais pas. Donc voilà, ça c'est l'interface de la revue presse. On a une interface privée sur laquelle on peut éditer des articles. Parce qu'en fait, la revue presse fonctionne depuis IRC actuellement. On se connecte sur le chaîne de la couverture, on utilise le point d'exclamation RP le nom d'un article. On appuie sur entrée, c'est ajouté automatiquement dans une pool. Et là-dessus, des volontaires passent régulièrement, ils font vote pour savoir si c'est des articles importants ou pas. Et une fois qu'ils atteignent un certain score, ils sont édités, ils sont transformés. Donc là, actuellement, en nœud Drupal. Donc là, on aura un beau nœud tout propre ici. Sélectionner les passages importants, etc. Nettoyer un peu tout ça. Et c'est publié. Le but ici, c'est de faciliter en fait toute cette partie d'édition de ces outils-là, etc. Donc ça, c'est le gros truc qui a été fait lors du dernier QCC. Alors après, ça reste du Drupal, hein, c'est-à-dire que quand on va... non, pas du Drupal, du Django, pardon. Ce qui fait que, du coup, ben, on a des systèmes assez classiques. On a une API qui reste... là. Qui fait un Django REST framework qui permet de récupérer tous les articles sous forme de JSON, ce qui permettra après de l'intégrer à terme dans d'autres choses. Donc voilà, ça c'est pour la revue de presse. Il y a le repo, il est ici. Donc git.laquadrature.net/rp-team.
Ouais. C'est bizarre. Ok, effectivement, c'est pas ça la base. Oups. Voilà, c'est ça. Ah oui, j'en ai oublié. Voilà, donc si, vous, si jamais vous voulez contribuer, le repos est ici. Le travail qui est fait actuellement est documenté ici, sur le wiki. Donc avec le fonctionnement, donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, donc là, on a comment ça fonctionne, donc ça a été le travail de pas mal de discussions avec les utilisateurs et utilisatrices de la revue de presse, avec Mindiel qui était là avant moi et qui avait commencé à faire tout un travail là-dessus, etc. Pour dire, ben voilà ce qu'on doit avoir sur telle ou telle page. Un travail qui a été fait après avec des designers, notamment Ipsodim, qui nous a aidé à faire un peu le design que vous voyez là-dessus. Et après, il va mettre tout ça à plat pour se rendre le ticket, pour que ce soit utilisable. Voilà, donc ça c'est tout nos tickets, pour que ce soit utilisable par les... enfin, pour que les gens puissent venir contribuer assez rapidement. Sachant que moi j'utilise beaucoup donc, dans GitHub cette fonctionnalité du issue board qui permet un peu d'avoir une bonne idée de ah, moi je suis plutôt à travailler sur de l'UI ou de l'UX, donc a priori il y a des tickets qui sont par là, là c'est plus des améliorations, etc. Ce qui permet de classer facilement et quand quelqu'un se pose la question de quoi faire, ben, ils peuvent venir et prendre un ticket et se l'attribuer à eux-mêmes. Et voilà. Vous pouvez rejoindre le Git de la quadrature soit en vous prenant un compte directement sur GitLab, soit en vous connectant avec GitHub. Alors, on n'a pas un système officiel de mentorat. On n'a pas un système officiel de mentorat, même si on... Ça fait bizarre. Donc, on n'a pas de système officiel de mentorat, mais par contre, on essaie de discuter beaucoup avec les gens qui contribuent. C'est-à-dire que quand vous allez soumettre un patch, on va lire votre patch. On va voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer, s'il y a des améliorations à faire avant de le mettre en place. Et on va travailler avec vous, vous envoyer vos remarques ou des commentaires ou autres, dans le but d'améliorer la qualité de code, dans le but de vous améliorer vous, et pas dans le but de rejeter votre code. Vous avez fait du travail dessus, il faut qu'on passe du temps nous dessus, donc on le lit. Moi je suis très à l'aise en Python, PHP maintenant, CSS, JavaScript, ça commence à venir, HTML, ça, donc je peux aider là-dessus. Mais souvent on va avoir des personnes, tu as sur l'ARP, il y a SynthDDL qui a beaucoup développé là-dessus et qui connaît bien le projet, donc qui peut vraiment aider à intégrer le projet. Pas forcément en faisant du grand mentorat, genre avec des cours, mais en disant bah, tiens, tu peux essayer de regarder de ce côté-là, ce bout de code est dans ce fichier, dans ce code d'API-là, on a utilisé tel ou tel direct pattern. C'est aussi pour ça que c'est important pour moi qu'on documente comment est fait le code, et non pas juste qu'on documente la fonctionnalité du code, mais qu'on documente comment il est fait. Soit par les tickets, soit par les commentaires dans la merge request, ça je m'en fous, du moment qu'il y a une documentation qui existe et qu'elle est récupérable et lisible par les gens. Mais je pense que oui, si vous voulez vous améliorer sur du code, c'est un bon moyen, ça peut être un bon moyen de le faire. Sysadmin, il n'y a pas de besoin ? Non, il n'y a pas de besoin en sysadmin, je m'en occupe pour le moment et c'est tout géré après avec une boîte qui fait ça assez bien, donc voilà. D'autres questions ? Il reste encore du temps. Encore 10 minutes, non? Alors, je vais vous montrer le Pifone aussi si vous voulez voir comment ça marche, c'est trop beau. C'est LQDN. Hey, voilà, donc là, c'est notre campagne de Pifone en cours. Donc, l'URL est ultra complexe, pifone.lqdn.fr. Donc, là, c'est la campagne sur Paquet Télécom, qui est une campagne qui est assez technique, assez complexe à faire. Pour ça, Chris vous en parlera dimanche. Donc voilà, c'est le nouveau Pifone, donc vous arrivez là-dessus, on vous explique qui est la quadrature du net, qu'est-ce qui se passe actuellement, et vous pouvez donc après jouer à chat roulette avec des représentatifs. Vous mettez là, voilà, faut que j'améliore un petit peu ça, parce que là il y a un bouton de scroll, vous renseignez votre numéro de téléphone qu'on ne garde pas dans nos logs, parce qu'on est quand même assez gentil au niveau vie privée, etc. Vous cliquez sur le bouton appeler, ça vous appelle automatiquement, vous décrochez, ça appelle le représentatif, et vous pouvez discuter avec eux. On peut se dire qu'on veut appeler, par exemple, que des Français. Où sont les Français? Là, voilà, c'est trié par l'alphabétique, c'est magnifique. Voilà, donc là, par exemple, on filtre avec que des Français, donc on va choisir Nadine Morano, parce que vous avez envie d'appeler Nadine Morano. Voilà. Qui est donc à l'EPP qui sont à la droite française et à la commission ITRE qui est, je ne sais plus laquelle commission, mais qui est une commission contrôlée.
C'est la commission de l'industrie, c'est ça? Ouais, c'est une des commissions qu'on veut embêter sur ce genre de dossier. D'ailleurs, vous noterez que tous les députés européens qu'on veut embêter sont sur la commission industrie et sont tous EPP. Non, mais c'est parce qu'on les a choisis comme ça. Il faut aller les convaincre. Bon, ou si vous ne pouvez pas les convaincre, vous embêtez, il faut aller les convaincre. Parce qu'on en revient toujours à plus ils ont nombreux à les appeler, plus ils ont peur quand le téléphone sonne, en fait. Et plus ils ont peur quand le téléphone sonne, plus ils se disent « Ah, il y a peut-être trop de gens qui regardent ce qu'on fait, on est peut-être trop en train de faire des conneries, peut-être qu'on va peut-être pas pouvoir faire ou qu'on va peut-être pas assumer. » Ça nous fera toujours gagner un peu de temps. Voilà. L'intérêt du Pipiphone, une des choses sur laquelle je travaille, c'est d'intégrer avec cet autre projet-là, qui est alors memopol.lqdn.fr. Vous pourrez voir tout de suite l'API. Donc voilà, welcome to Memopol, qui est donc notre site où on essaie de garder la mémoire un peu de ce qui est dit, de ce qui est voté. Donc par exemple, on peut voir que Marc Goua, c'est un représentant, ça s'affiche pas, qui est donc français à l'Assemblée nationale, qui a un score de moins de 250 parce qu'il a globalement voté une des prorogations d'application de la loi sur l'état d'urgence, il a voté pour la loi renseignement et il a voté pour la prorogation de l'état d'urgence. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qu'on aime bien. Donc il n'a que moins de 250 parce qu'on n'a pas beaucoup de textes au Parlement français. Mais vous pouvez aller depuis cette page-là, quand ça se remettra à jour. Ah, mais si je vous laisse sourire par là, vous allez pouvoir voir, c'est un peu comme une carte à gratter. Voilà. Bon. Donc, là, il y a le bouton Add a Public Position. Vous pouvez aller cliquer sur cette page-là, choisir le ou les représentants qui ont cette position publique, parce qu'il peut y avoir plusieurs, tu vois, notamment quand ils soumettent un amendement. Ils sont souvent plusieurs à signer un amendement parce qu'on leur dit que c'est bien de signer un amendement parce que plus il y a de monde, mieux c'est. Donc s'ils sont 250 à signer un amendement tout pourri, nous on va mettre les 250 noms, on va leur donner un score qui est tout pourri. Et du coup, peut-être qu'ils arrêteront cette pratique de signer massivement en bloc des amendements pour faire croire qu'ils ont du poids alors qu'en fait, pas forcément. Donc là, vous pouvez choisir votre représentant, vous pouvez choisir le type de position publique dont il s'agit, si c'est par exemple un poste de blog, si c'est quelque chose, si c'est un tweet, si c'est une interview dans la presse, si c'est quelque chose qui se fait au Parlement, si c'est autre chose. Vous pouvez mettre un lien si vous en avez un, la date, le titre de la proposition et le texte. Vous le soumettez et nous on les voit dans une interface, on va pouvoir après les valoriser, dire bon ça c'est quelque chose qu'on pense qui est important, qu'il faut qu'on le note, ça c'est assez mineur, ça c'est quelque chose de positif ou négatif, etc. etc. Et c'est super important que quand il y a des débats à l'Assemblée nationale sur des sujets qui nous intéressent, les accords du DirectN, au lieu de faire des live tweets, vous pouvez remplir là, ça marche très bien aussi. Mais ça ne vous empêche pas de faire des live tweets non plus, hein. C'est toujours rigolo à faire. Hop là. C'est pas trop fortement visible. Donc voilà, là on n'a pas encore tous les numéros de téléphone sur le nouveau Parlement, on est en train de le mettre à jour. Mais au Parlement, on se branche sur les données, donc pour le Parlement français, et le Sénat français, sur les données qui sont publiées par Regard Citoyen. C'est un collectif qui fait un truc super cool aussi au niveau de publication de données sur la République. On récupère des choses d'un format un peu spécifique qu'on appelle le format representative. Présentatif. Voilà. Où ça va? Representative. Voilà, avec un A. Voilà, on sort un petit peu de temps parce qu'il y a de chercher tous les députés de tous les parlements. Voilà. Et donc on est capable, nous, de vous décrire un parlementaire en format JSON, ce qui est super pratique, ça permet de le parser. D'avoir donc. Puis surtout, on les a tous, même ceux qui ont été parlementaires et qui ne le sont plus maintenant, parce qu'il y en a quand même 200 et quelques cette année, des tout nouveaux, donc c'est-à-dire qu'il y en a 200 et quelques qui sont des vieux, qui ne sont plus actifs à l'Assemblée nationale, qui ont cessé de nuire. Pas tous, il y en a des biens qui sont pas revenus, hein, aussi. Il y en a au moins deux. Donc on a le nom, le prénom. Alors on a une petite problématique qui va falloir qu'on tranche rapidement sur la couverture, c'est qu'on stocke les données sous forme de nom-prénom, ce qui culturellement parlant est extrêmement complexe parce que ben, ça marche bien pour une culture européenne, Amérique du Nord, le nom-prénom. Sorti de ça, c'est assez vite mort. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de concept de prénom. Il y a beaucoup de cultures où il n'y a pas de concept de prénom. Il y a beaucoup de cultures où tu as des concepts où c'est pas un nom mais c'est une filiation. Donc on est assez vite embêté là-dessus. Donc on cherche des. Enfin, et si vous cherchez un moyen de trier de manière universelle les patronymes des personnes, il y a des thèses qui ont été écrites à ce sujet-là et qui disent qu'en gros c'est pas possible. Enfin, à l'échelle de la planète, donc vous êtes obligé de. Il me reste 2 minutes. Il reste encore des questions ou pas? Parce que moi je continue là pendant 2 heures si tu veux.
Donc on voit aussi tous les mandats qu'ils ont ou qu'ils ont eu, ce qui permet par exemple de voir, parce qu'il y a le grand jeu des commissions qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, mais qui va être dans quelle commission, ils sont en train de se battre pour ça. C'est encore en train de faire exploser les Républicains et les Républicains constructifs, c'est génial. Donc de savoir qui est dans quelle commission et qui a été dans quelle commission à tel moment, quels sont leurs rôles, quels sont leurs impacts. Donc voilà, on a cet outil-là qui est très complexe. On travaille en ce moment sur des fonctions de recherche là-dessus, de recherche de données, avec du solaire. Pourquoi du solaire? Parce qu'à un moment donné, il faut en choisir un, donc du solaire. On a des gens qui sont intéressés pour faire de ce qu'on appelle des gens qui font de l'analyse de données, pour faire de l'analyse un peu de notre gros tas de données qu'on a dans Mémopole, parce qu'on commence à avoir quelques votes quand même, puisqu'on a des votes qui datent d'ACTA, de qui a voté quel considérant à ACTA, et des considérants pour ACTA, il y en a genre une centaine. Donc on a la fiche de vote de ces 100 votes par texte de loi, etc. Donc autant au Parlement européen, ça va, on a tout. Autant au niveau français, on a projet de loi République numérique, c'est un vote qui est publié. Tous les autres ne sont pas publiés. On n'a aucun vote d'amendement, on n'a aucun vote d'article, on n'a que les votes finales. Donc on a du travail à faire là-dessus aussi. Donc voilà, si vous êtes tous et toutes très bienvenus pour venir donner des coups de main techniques ou de design, mais qui reste de la technique, ou de réflexion sur nos outils. Et si jamais vous êtes dans d'autres collectifs et que vous êtes intéressés par nos outils, vous pouvez aussi venir me parler, je suis en bas là ce week-end. Je ne sais pas si je suis vendredi encore, mais voilà, sinon je suis là en bas. Et si vous venez avec une bière, c'est encore. Voilà, merci bien.